Ça. 4 mois comme ça, 5, 6, 7 mois hey, à la maison, sans rien faire. Tout ça à cause de Corona. Un petit virus, on ne voit même pas. Regarde ce qu'il a fait dans la vie des gens. Vous me regardez comment vous êtes assis. Il y a espace entre vous comme ça. Je sais qu'actuellement, tu es un patient pour la fille, mais tu ne peux pas à cause de ça. Normalement, Corona, là, c'est-à-dire que hein, tu étais en pointage, et puis on dit maintenant, à cause du Corona, il faut éviter les rencontres. Donc, ça gâtait ton affaire. Oh, tu étais sur une bonne lancée. Le Corona, on ne voit pas. C'est la seule maladie, on ne voit pas. Il y a trop de noms, à cause de ça, on ne trouve pas de médicaments. Parce qu'il y a des médecins qui ont trouvé un médicament de la COVID. Ils sont venus dire, on a le médicament de la COVID. On dit, non, non, non. Que c'est pour le COVID, nous, on cherche. Il y a d'autres qui ont envoyé un médicament du COVID. On dit non, non, c'est un médicament de Corona, on cherche. Bon, si vous voyez depuis là, il n'y a pas de médicament, c'est parce que son nom même est compliqué. Et puis le Corona est venu avec son lot de mesures barrières. Mesures barrières. C'est-à-dire, quand je regarde Corona, on dirait que ce sont les femmes africaines là qui ont commandé ça. Oui, elles ont commandé ça. Dans la mesure où, c'est-à-dire que la partie qui les intéressait dans Corona, là, c'est quand on dit confinement. Tout le monde reste à la maison, on ne sort pas. Couvre de 21h à 5h du matin. Vous voyez les femmes là, elles s'appellent entre elles, copine, copine. Il est là, il est là. Ah ça fait une semaine, il est là, il n'a pas voyagé, oh, il est là, il est là. Eh, Seigneur, merci pour nous envoyer un truc comme ça souvent. À cause du confinement, jusqu'à aujourd'hui, nous-mêmes, là, il y a des chansons, on chante, on n'a pas le choix. À chaque signal d'alarme, ça me garde toujours son calme. Tinininé, crie très fort au moindre danger. Ça me sera là pour te sauver, sans hésitation, sans pleurs. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Si ce n'est pas à cause de Corona, quel homme, un papa va chanter dessin animé, si ce n'est pas à cause de Corona. Parce qu'on ne peut pas partir quelque part. Et puis la télécommande ne nous appartient pas. On a un grand frère, lui, tellement il est habitué aux missions. Un jour, il se lève, il finit de s'habiller. Et puis il dit, bébé, je vais en mission. Elle dit dans Corona là, il dit oui, je quitte la chambre pour aller au salon. Tout ça, c'est pas mission. Le Corona, mesure barrière. C'est-à-dire, il y a des choses même qu'ils nous ont données. On dit d'éviter les rassemblements de plus de 50 personnes. Ça, c'était au début. Mais au Gondwana ici, c'était chaud. Un jour, on est à la maison, on entend le bruit chez les voisins. On appelle la police, 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 venez, venez, venez. Il y a fête, il y a fête. Ça, là, si tu fouilles là, un bruit qu'on entend là même là. Ils sont plus de 50. Oh, nous aussi, on cherche chaud. Les policiers aussi, c'est des hommes. Eux aussi veulent s'enjailler. Ils arrivent à la fête et ils sont venus à deux. Ils ont compté les personnes, ça fait 47. Et puis ils appellent maintenant. Allô, centrale, centrale, on n'atteint pas 50. On n'atteint pas 50. On n'atteint pas 50. Comment eux-mêmes, ils veulent péter aussi. Non, éviter le rapprochement. C'est-à-dire que quand on a dit ça, distanciation sociale. Il y a un gars qui allait voler, on entend au voleur, le voleur lui-même, il dit, hé, restez chez vous, évitez les déplacements. Non, c'est-à-dire, et puis les gens sont venus vers lui comme ça, ils voulaient courir, il dit, non, vous pouvez courir, mais courez avec 1 mètre de distance. Voleur devant, ils sont derrière, voleur, voleur, voleur. Hé, Corona, c'est-à-dire, après maintenant, après avoir fait tout ça, on a fait pratiquement 1 mois dedans. Et là,
les mesures barrières s'allègent un peu plus. On peut se revoir. Hein? Parce que moi, j'ai attendu pour aller encaisser mon crédit. Il y a des gens, moins de 50 personnes là, ils n'étaient pas prêts à donner l'argent à quelqu'un. Donc à partir de là, on peut encaisser crédit. Mais il y a une partie qui ne m'a pas plu. On ouvre les bars, les boîtes de nuit. On va en boîte de nuit, mais la consigne est toujours là. Le gouvernement gondouanais dit quoi? Vous ouvrez les bars, les boîtes de nuit, mais les consignes demeurent les consignes. Se laver les mains avec un cache-nez, tout ça. Et le DJ, il met musique, hein? Il met la musique. Et c'est quand il met un zouk, ting, 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 et tu te lèves comme ça aussi, tu te vas vers celle que tu guettes. Et puis le DJ, mesdames et messieurs, respectez la distanciation sociale. C'est quoi ça là? C'est pourquoi? Mais s'il y a une chose, je sais que vous n'aimez pas, c'est bien sûr le cache-nez. Il y a des gens qui ne supportent pas, parce que moi, comme ça, quand on met le cache-nez, ça tire mes oreilles, donc les nerfs sont tendus. On a un grand frère, il s'appelle Fitini. Lui, quand il met cache-nez, il ne peut pas marcher. Parce que ses oreilles sont comme ça, le vent le souffle, donc quand il veut partir, c'est toujours comme ça. Non, sincèrement, c'est pas facile. Mais il y a un grand frère qui nous a dit, lui en tout cas, le cache-nez, c'est pas une histoire de nerfs, c'est pas une histoire de respiration, parce que le cache-nez aussi, c'est quelque chose qu'ils ont fabriqué sans tenir compte des dimensions de nos nuques. Lui, il dit, le cache-nez, c'est qui le dérange les gens? Apparemment, les cache-nez sont pareils. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, lui, il n'aime pas le cache-nez à cause de l'odeur. Je lui ai dit, grand frère, le cache-nez, là, c'est ce que tu lui donnes qui te renvoie. Donc, le cache-nez. Parce que personne voulait me gifler, lui a dit, grand frère, cache-nez là, c'est un retour à l'envoyeur, quoi.